Jikordix est fantastique, son gameplay il est trop frais. Jikordix est sympathique, le free-to-play c'est trop sprinter. On va tester cette bêta. Oyez, oyez, grandes et grands, ce let's play est dédié à tous ceux qui ont une particularité physique hors norme, que ce soit toi, Berthe au grand pied, ou encore toi, Rasputin, qui n'a rien à envier à Rocco Siffredi. Plus sérieusement donc, pour ce let's play, encore une bêta, oui, faut croire que en cette fin d'année, voilà, les éditeurs et les développeurs veulent absolument un retour sur leur jeu en cours, donc on va faire un let's play sur Gigantic. Pour rappel, Gigantic a été un des fers de lance de la conférence Xbox 2015, je crois. Ça doit d'ailleurs sortir sur PC et console. Donc c'est une exclusivité qui a été mise en avant par Phil Spencer. Mais faut croire... Alors, je vais faire la petite critique, hein. Ça a été mis en avant donc à la conférence E3, donc voilà, Microsoft était bien arrangé pour nous le présenter. Et puis le jeu après a risqué une annulation, je sais pas trop pourquoi, peut-être par manque de moyens ou voilà. Et il est revenu sur le devant de la scène, donc avec cette bêta. Donc c'est curieux que quand même Microsoft ne soutienne pas plus ses exclus. C'est quand même très étonnant, hein. On se souvient encore du cas de Fable Légende, qui a été absolument abominable, c'est-à-dire le jeu est annulé et le studio Lionhead a été démantelé. On peut s'interroger quand même sur le suivi des exclus Xbox par le siège général de Microsoft, hein. D'ailleurs, j'ai vu que Phil Spencer était à Mexico là pour les 15 ans de la Xbox en conférence. J'espère qu'il n'a pas pris des petites vacances à Cancun entre deux, parce que là, je pense que Donald est en train de construire le mur, hein. Il a pris la truelle et le béton et il doit construire le mur qui sépare les États-Unis et le Mexique. Et il faut qu'il se déplace de rentrée, sinon il va rester là-bas. Plus sérieusement, alors, on est donc encore sur un free-to-play. Très coloré, donc encore du cel shading. Décidément, en ce moment, je fais beaucoup de jeux avec un comeback du cel shading. Moi, j'aime bien, donc ça me pose pas de problème. Un petit côté cartoon comme ça, bien coloré, avec des couleurs bien chaudes, bien pétantes. Donc, Gigantic. Que dire sur Gigantic? Vous demandez déjà. Où se trouve la vérité dans la chanson que j'ai chantée au début? Alors, est-ce que c'est le crâne qui dit la vérité ou est-ce que c'est moi qui dis la vérité? Eh bien, c'est à mi-chemin entre les deux, on va dire. Donc, là on a démarré, donc je vous ai enregistré deux parties complètes. Ce qui explique le gameplay est un petit peu long. Un petit peu long à regarder, qui fait 37 minutes, je crois. Donc là, c'est la première partie. Donc j'ai un peu choisi mon personnage par défaut, parce que je voulais le personnage masqué qui ressemblait un petit peu au gardien masqué. Mais malheureusement, j'ai dû me rabattre sur un personnage secondaire, qui en l'occurrence est une espèce de sorcière femme poulpe. On dirait un peu la sorcière des mers dans La Petite Sirène. La sorcière des mers qui ressemble d'ailleurs un peu à la Castafiore dans Tintin, hein. Bon là en tout cas elle est plus bonasse, on va dire la sorcière des mers que j'ai choisi. J'ai eu un peu de mal à comprendre comment ça démarre. Au départ aussi j'ai lancé une partie. Je pensais qu'il n'y avait plus personne sur la bêta, que c'était complètement désert. Donc j'ai testé le mode d'entraînement et le didacticiel. Alors déjà, gros point noir. Le mode entraînement, il est complètement pourri. C'est-à-dire que vous avez une mini-arène qui ressemble à rien, où vous pouvez vaguement utiliser vos compétences sur des monstres de base, mais vous n'avez pas de créatures géantes, ou voilà. Vous pouvez juste en fait tester les capacités de vos persos sur des petits mobs, mais ça ne sert à rien, c'est absolument chiant. Vous pouvez donc pas faire de partie comme ça avec des bots pour vous entraîner.
Donc très gros point noir sur le mode entraînement, voilà. Et ensuite, il y a un deuxième point qui m'inquiète pour cette bêta, c'est que nous n'avons qu'un seul mode de jeu disponible, qui est le matchmaking, et donc qui se résume à une espèce d'escarmouche, voilà, avec des objectifs à capturer, avec des bestiaux gérés par l'ordinateur à poser, histoire de ralentir donc l'ennemi sur la capture d'objectifs. Et vous devez donc faire en sorte que le géant, votre géant soit protégé, qu'il ait la meilleure attaque possible, tout ça, et éventuellement affaiblir le géant d'en face pour remporter le match. Voilà, ça me semble un peu très nébuleux dit comme ça, mais en fait ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà vu sur d'autres jeux free-to-play du style Smite. Voilà, Smite avec les divinités du panthéon grec, chinois et tout le tralala, c'est exactement la même chose. Et bah, c'est plutôt inquiétant parce que en fait Gigantic bah, ne se démarque pas vraiment de ce qui a déjà été créé par exemple sur Smite, voilà. Et le fait de voir un seul mode de jeu, voilà, disponible, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que là, là ça va être la bérésina à la sortie si on peut jouer que sur un seul truc avec différentes maps, bon, une belle variété de personnages, hein. C'est vrai que le design graphique est absolument sympathique. Enfin, absolument sympathique. Moi, je trouve ça très beau, donc ça me plaît beaucoup. Mais le graphisme ne fait pas tout. Et là, honnêtement, avec un jeu comme ça, on se fait un peu chier, quoi. Enfin, on se fait pas vraiment chier totalement, mais disons que on a déjà joué à des trucs comme ça et ça n'apporte rien de neuf. Donc là, voilà. Là, sur ma sorcière, par exemple, un truc particulier, c'est qu'au niveau de son attaque de base, en fait, il faut rester le bouton appuyé. En fait, elle vampirise plus ou moins les ennemis. Donc, vous restez appuyé sur le bouton d'attaque et il suffit de viser. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres persos. Deuxième partie, je vous montrerai un autre personnage qui a autre chose dans sa manche pour emmerder les ennemis. Donc, elle est surtout, voilà, basée sur le vampirisme de la vie, quoi d'autre, des choses à base de poison, un petit peu de désorientation aussi. Enfin, c'est une sorcière, ouais, c'est une sorcière maléfique. Et voilà, là, hop, je vampirise lentement mon adversaire. Là, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a déjà un coup. Voilà. J'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai attaqué quand il y avait deux mecs, mais j'ai tué quelques ennemis, hein. J'ai pas quand même fait une partie trop pourrave. Quand vous revenez donc à votre point de spawn, vous pouvez donc améliorer vos compétences. Pas que quand vous êtes au point de spawn, d'ailleurs, je pense que voilà, vous pouvez améliorer un peu n'importe quand. Bon, plus la partie avance, plus votre personnage gagne en compétences, mais j'imagine que plus vous êtes bon, plus ça va vite. Et là, on touche un petit peu un point du jeu qui est un peu embêtant, c'est que voilà, quand vous êtes avec une équipe pas trop forte et donc que la partie démarre assez mal pour votre team, et ben, y a quasiment aucun moyen de renverser la vapeur. C'est-à-dire que... voilà, je pense à des jeux comme Battlefield 1 par exemple, qui est pas du tout le même genre de jeu, mais peu importe, où par exemple l'équipe perdante, il donne par exemple un bonus sous la forme d'un zeppelin blindé ou d'un train de marchandises blindé pour aider justement l'équipe un peu faiblarde à renverser la vapeur. Donc ça, c'est pas mal pensé, voilà. Mais là, on sent que le jeu, bah, vous démarrez la partie sur des mauvaises bases, bah vous en avez pour un quart d'heure à vous en prendre dans la gueule et c'est la défaite quasiment assurée. Je dis quasiment parce que pour l'instant, j'ai jamais vu de renversement de vapeur. Alors vous me direz, bah c'est logique, bon voilà,
si les joueurs sont pas assez bons, on n'a pas à leur donner un bonus ou quoi que ce soit. Vous avez pas tort, vous avez pas tort. Donc là, voilà, je perturbe un objectif parce qu'ils sont en train de foutre des mobs aussi sur des points clés. Donc vous pouvez empêcher l'éclosion de ces mobs, ce qui évite après que la carte soit submergée et que les objectifs soient très très difficiles à capturer. Voilà, donc là où je suis un peu inquiet aussi pour ce jeu, c'est que je connais un petit peu le parcours des free-to-play, voilà, qui démarre avec plein de bonnes intentions et des bases classiques. Là vous avez un free-to-play donc coloré qui sortira donc dans pas longtemps sur PC et sur Xbox. Déjà ils se privent de la base de joueurs PS4. Mais en plus, voilà, comme le jeu n'a pas grand chose d'exceptionnel, le risque c'est que les joueurs arrivent, disent ah c'est sympa, c'est coloré, ils y jouent une semaine, deux semaines et après terminé. Et donc au bout d'un mois, vous avez des serveurs complètement déserts et mettons au bout d'un an, ils ferment quoi. Et là c'est la catastrophe pour les joueurs qui ont investi un peu de leur temps dans le jeu et les développeurs qui eux ont investi toute leur énergie à essayer de le développer quoi. Donc ce genre de tragédie je les connais hein. Donc voilà, et en plus voilà, j'ai certains potes aussi qui sont cherchant de succès, d'achievement, tout ça, et ils se retrouvent parfois à démarrer des jeux qui sont fermés dans l'année parce que des jeux déserts là, qui marchent pas et ça fait pas beau sur le tableau de chasse quoi. Donc c'est un peu... J'espère que Gigantic ne suivra pas ce tracé de vie, quoi. Mais c'est pour ça que j'espère que la bêta n'est pas si représentative que ça du jeu final et qu'il y aura plein de surprises à découvrir, voilà. Et là, vous voyez... On est bientôt à un quart d'heure et j'ai déjà plus grand chose à raconter sur le jeu parce qu'on a déjà fait le tour du truc, des trucs qu'on a vus 100 fois, voilà, des captures d'objectifs avec des points de contrôle, les gardiens qui s'écharpent de temps en temps, c'est quand même ça l'originalité du truc, mais en fait ils sont un peu là pour la déco les gardiens puisque ce sont en fait des objectifs primordiaux, mais à part ça... Ils sont un peu des plantes vertes quoi. Cette partie va bientôt se terminer. Ça va être ça va pas être à notre avantage. Le clash commence. Alors attention, qu'est-ce qui se passe là? Le clash commence. Ça veut dire que je pense que les deux bestiaux sont en train de se foutre sur la gueule. Alors. Donc là, voilà. Je sais pas si je vais réussir à tuer. Non. J'ai été tué. Là, le clash commence. Alors là, il faut que je revienne. Au départ, voilà, j'avais pas très bien compris les subtilités avec les gardiens, c'est pas très bien expliqué. Donc on fait un peu comme on peut, surtout que voilà, avec le mode entraînement complètement pourri, on peut que se former sur le tard en ligne. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a d'autres décors, hein. je me suis renseigné, parce que là on verra que le décor du désert, mais apparemment il y a d'autres arènes tout aussi sympathiques pour se divertir. Donc là je me suis focalisé un petit peu trop sur le bestiau et après...
me fais avoir comme ça. Donc là, ça bouge encore au niveau des grosses bébêtes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai l'impression que l'énergie du gardien prend cher, donc... Oula, oula, oula là. Ouais. Donc, ça c'est un truc que j'ai remarqué, surtout à ma deuxième partie, c'est que les gardiens ont des vies, en fait, et à partir du moment où... où bah, le gardien tombe à court de vie, bah, vous perdez la partie. Donc il y a quand même cette dimension là, donc je pense en fait qu'il y a trois grandes escarmouches avec les gardiens, c'est-à-dire hein, trois grands duels où là, là ils se prennent le bec au milieu de l'arène, mais en fait voilà, c'est même pas en fait spectaculaire ou quoi que ce soit. Bon, vous avez deux grosses bestioles qui se ruent l'une sur l'autre, mais vous avez pas, par exemple, des morceaux de décor qui volent ou des trucs comme ça. Donc ça manque aussi de punch, ouais, on va le dire comme ça. Ça manque un peu de patate et c'est bien dommage parce qu'au niveau du caractère design, voilà, je trouve qu'il y a eu des efforts de fait. On le verra encore tout à l'heure avec le deuxième personnage que je vais prendre. C'est des caractères design, voilà, colorés, frais. Faut un peu penser à caractères design un peu originaux qu'on retrouve dans des trucs comme Overwatch. Voilà, c'est très coloré. Alors là, voilà. Grosse prise de bec entre les deux bestiaux et on sent, voilà, on sent que ça tourne pas en notre avantage. Donc il est en train de se faire démonter la gueule, le dragon noir. Là je pense qu'on est cuit. Ouais, on est cuit, voilà. Et il perd sa dernière vie et voilà, et c'est le drame. Donc je peux même pas imaginer, voilà, que le jeu se fasse véritablement une place dans l'e-sport. Donc qu'est-ce qui va le sauver? Voilà, il manque une partie des joueurs vu qu'il est en exclusivité, enfin en semi-exclusivité, parce que maintenant Microsoft sort et sur Xbox et sur PC, mais bon, comme ils sont propriétaires à la fois de Windows et de la marque Xbox. Voilà, ils peuvent plus vraiment faire de réelles exclusivités Microsoft. C'est ça le problème. Donc là, voilà, j'ai pris un second perso qui est une espèce de mix entre un renard et un daim, ou c'est un daim ou un chamois ou une antilope. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Enfin, c'est super rigolo. Regardez-moi ça, le renard, il fait des bonds comme un cabri. Voilà, c'est un archer. Donc je crois qu'il a des flèches empoisonnées, je sais plus trop, enfin c'est pas mal aussi. Ouais, donc voilà, on continue. Alors là j'ai adopté une stratégie un petit peu plus chiadée par rapport à ma première partie, où là vraiment je fonçais dans le tas. Enfin, là je prends cher aussi. Il y a un type qui ressemble à une espèce de minotaure mécanique ou bien balai, je sais pas, je vois pas très bien. Qui m'a mis sévère quand même sur cette partie. Le truc, c'est que là, donc, ma stratégie actuelle, ça a été plutôt d'hameçonner les joueurs, les ennemis, et de les ramener près du géant. Et le géant, en fait, voilà, les affaiblissait un petit peu. Et moi, pendant ce temps-là, j'allais aussi récupérer un peu de vie à côté grâce à une espèce de petit mob, voilà, qui était en faction et qui, lui, dont sa spécialité, c'est de redonner d'énergie. Donc, j'ai fait un petit peu plus stratégique. Donc, je pense que le renard chamois est un espèce de sniper, voilà, avec son arc, machin. Vous pouvez concentrer les tirs, faire des flèches empoisonnées. Et je sais pas s'il y a pas une capacité aussi de régénération, voilà. Donc c'est pas mal,
C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je suis vraiment fan du caractère vivant. Il y a une recherche là-dedans, mais voilà. Par contre, le game design, c'est vraiment, on sort pas des sentiers battus. Ouais, ils se sont encore friqués les deux bestiaux. Mais voilà, notre bestiaux a encore perdu une vie. Donc là, on est vraiment plus passé. Là, on a été plus dans une guerre d'usure, hein, parce que voilà, moi, je me suis moins exposé en tout cas. Je peux parler que pour moi parce que j'ai pas trop vu ce que faisaient mes autres potes. Et voilà, c'est mes deux premières parties. Et honnêtement, voilà, là comme j'ai déjà plus trop rien à dire sur le jeu en commentaire, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, au bout de deux parties, j'ai déjà eu ma dose. C'était sympa, mais j'ai pas eu envie non plus de passer toute la soirée sur le jeu. Donc, si moi qui suis quand même, voilà, un fin gourmet en matière de jeux vidéo, et je dis ça sans me vanter, hein, voilà, m'incendiez pas en commentaire, les joueurs qui sont un petit peu plus... qui recherchent pas, voilà, qui sont pas spécialement critiques et qui se prennent un petit peu les choses, voilà, comme elles viennent, est-ce qu'ils vont aimer le jeu? Je sais pas trop. Là, voilà. Je cherche en discutant avec vous quel genre de public ce jeu va intéresser. Un public plutôt jeune avec le côté un peu cartoon coloré. Bon, ouais, pourquoi pas. Un public qui aime le multi, ça c'est sûr, parce que vu qu'il n'y a pas de mode solo et que le mode entraînement, voilà, il est désastreux. On espère une petite percée dans l'e-sport, mais j'y crois pas trop. Déjà que le coup près est pas tombé très loin de la tête du jeu, je sais pas, il y a quelques mois. Alors ça c'est un mystère encore, je sais pas ce qui leur est arrivé aux développeurs. Je pense que ça aurait été désastreux un petit peu pour les exclusivités Xbox, parce que quand on voit Fable Legends, je reparle encore de Fable Legends, mais voilà, Fable Legends tombé aux oubliettes, celui-là tombé aux oubliettes, enfin qui a failli tomber aux oubliettes. C'est un peu désespérant de voir que tout ce qui est montré il y a quelques années à l'E3, en fait, il y a plein de trucs qui sont annulés, qui sortent pas, alors que c'est bien mis en avant. Donc, moi, j'espère vraiment des features, de nouvelles features quand le jeu va sortir, avec de nouveaux modes de jeu, des trucs avec plus de patates, quoi, genre des décors qui se pètent un peu la gueule, enfin des trucs originaux. Je sais pas aussi pourquoi ils ont balancé des trucs sur le sol, là, des puits, des machins, peut-être des pièges, je sais pas trop. En fait, on crève dans ce jeu-là parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe, quoi, pour l'instant. Je crois que ça c'est un truc d'énergie, un truc de vie que j'ai largué au sol, hein, une espèce de mare, voilà, régénérante. Bon. Je suis en train de garder un objectif pour qu'il éclose, entre guillemets. Je sais pas trop comment dire autrement. Voilà, et faire éclore un monstre à un point stratégique. Voilà. Votre gardien est rétabli. Et ben, il a pris cher, le gardien. Il a pris cher. Il lui reste plus qu'une seule vie. Donc c'est pas très engageant, on va dire. Hein. Bon. Des coups de flèche.
Alors j'ai aussi un peu merdouillé sur les boutons, c'est pour ça qu'on voit de temps en temps le tableau des scores revenir. Mais je pense que les personnages ont quand même des petits trucs un peu vicieux dans leur capacité. Donc je pense que pour qui sait les manier, il y a des trucs stratégiques qui peuvent être sympas. Mais après, faut voir le détail. Là, j'ai vraiment voulu, voulu vous montrer ce que ça donnait. Au moins graphiquement, au moins comment ça joue. Donc, même si c'est un sentiment très mitigé pour moi. Alors, j'espère aussi qu'il n'y aura pas de micro-paiement. Enfin, pas trop de micro-paiement. Bonjour les micro-paiements, ça. Ça c'est une évolution dans le jeu vidéo dont je suis absolument pas fan, c'est aussi les, voilà, les histoires de micro-paiements ou pour progresser un tout petit peu plus vite ou pour pas être bridé trop sévèrement, voilà, vous devez encore rallonger la monnaie, enfin. Je donnerai pas d'exemple de jeux voilà, qui sont pourris de micro-paiements parce que c'est faire de la pub à ces jeux-là et c'est des jeux qui m'énervent. Quoi. Longtemps j'ai joué encore un, voilà, il y a un nombre de vies limité pour passer des petits niveaux de puzzle et quand vous avez plus de vie et bah vous devez attendre un quart d'heure d'avoir une nouvelle vie, donc ça vous casse le rythme etc, et tout est fait pour vous faire raquer un peu plus, donc j'espère aussi que le jeu prendra pas ce chemin là. Là sur la bêta on joue sans restriction, c'est fluide, c'est sympa, c'est cool. Donc voilà, là je suis revenu au point de. Qu'est-ce qui fait le bestiau vulnérable. Ah voilà, là et je sais pas s'il était sonné ou s'il reprenait ses forces ou s'il était en pleine éclosion. Mais voilà, il m'a remis ma vie. Et bon. Un grand salopard qui a fait pas mal de kills qui est passé à côté de moi, je crois. J'ai intérêt à me méfier. Voilà, ma barre de santé, c'est une espèce d'arc en fait sur le. En demi-arc de cercle sur le côté de mon personnage. Donc là, voilà, là ça baisse. Là, je le ramène voilà vers le bestiau et il m'a. Mais le bestiau, ouais, il a balancé 3-4 boules de feu, ça doit pas non plus faire du bien au gros, voilà, là. Et voilà, là il s'est fait. C'est mes potes en fait qui l'ont poutré par derrière, donc on s'en tire pas trop mal. Mais c'est une partie qui est pas bien engagée pour nous là. Voilà. Nous voilà reparti et on se rend compte aussi que mon équipe a pris cher, donc là bon. Après je suis solidaire de mon équipe, hein. Si mon équipe n'est pas très forte, moi non plus. Mais, bon. J'ai fait un petit peu ce que j'ai pu et ce que j'avais, en essayant d'apprendre voilà, les particularités du personnage, mais ça n'a pas. Oh, il était très profond. Ça peut aussi être considéré un peu fouillis, voilà. Parce qu'il y a un côté voilà par rapport à Smith aussi. Smith le sol est assez plat. Donc vous voyez directement quand vous avez des ennemis en face qui vous arrivent dessus. Là. Vu que c'est vallonné, que voilà, il y a beaucoup de relief. L'action est encore un petit peu plus bordélique et parfois voilà, le mec vous arrive derrière ou vous ne l'avez pas vu, vous êtes passé à côté hop, et il commence déjà à vous faire la peau. Il est venu carrément me poursuivre près de mon healer quoi. Salopard. Bah, n'hésitez pas en commentaire à me dire si le jeu vous plaît à vous,
parce que vous faites aussi un avis général sur le truc, quoi. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez envie de vous engager à fond sur ce jeu? Enfin, vous engager. Est-ce que vous avez envie d'y jouer à fond? Vous dire ouais, le jeu me plaît bien, j'ai envie de me mettre à fond dessus, d'être un hardcore gamer sur Gigantic et de me faire une petite place dans les tournois s'il y en a. Vas-y, dis-le. Ce n'est que mon opinion quand je la formule. Et je peux aussi avoir tort. Je reconnais mon tort. Après, il y a des petites bestioles aussi. On dira, sur le bestiole au chapeau, on dira un petit peu une bestiole qui était dans Final Fantasy IX, je crois. C'était... je sais plus quel était son nom, mais... Il y a peut-être des références cachées. C'est pas... Et là, je me rends compte quand même que notre gardien n'a plus beaucoup de vie, mais c'est sa dernière vie et on la tient depuis tout à l'heure, donc on a quand même bien résisté. Voilà, c'est même si je pense qu'on va pas la gagner, c'est un baroud d'honneur. Donc, un chrono de 5 secondes. J'ai pas l'impression que dans ce mythe, le chrono il est de plus en plus long. Vous pouvez parfois attendre quasiment une minute avant de revenir sur le champ de bataille. Là, j'ai l'impression que dans les 15 secondes maximum, vous êtes de retour. Ce qui est pas mal. Ça évite que vous ayez trop à être spectateur de l'action et vous revenez tout de suite sur le truc. Voilà. Même si pendant 15 secondes, il peut se produire des choses un peu dramatiques. Et la partie peut basculer. Ouais. Je pense que pour la semaine prochaine, j'espère que je pourrai produire un contenu pour la semaine prochaine, parce que là je suis un petit peu charrette. Ce soir, je vais me mettre sur un jeu plus régulier. Ça sera un jeu déjà sorti sur lequel je vais me foutre pour la semaine qui vient. Et voilà, n'hésitez pas donc à mettre des commentaires, éventuellement à vous abonner. Vous êtes 25 à vous être pour l'instant abonnés. Et j'espère que vous serez plus nombreux, parce que voilà, moi j'espère converser avec une communauté, tout ça, voilà. Manifestez-vous. Soutenez-moi. Et voilà. Et mettez un j'aime si ça vous a plu. Moi je suis pas un obsédé des pouces bleus. Voilà, je suis pas à me dire ouais, t'as vu. J'ai 10, 20, 40 pouces bleus, machin. Mets un pouce bleu si t'es mon pote, machin. Je vais pas vous dire ça, moi. Si ça vous a fait plaisir le contenu, mettez un pouce positif. Si ça vous a fait moins plaisir, mettez un pouce négatif. Bon, c'est un peu hard pour moi, effectivement, parce que j'ai passé du temps à bricoler le contenu. Donc, me dire que le contenu n'a pas plu, c'est quand même un peu décevant pour moi. Mais bon. Mais... Voilà, le retour aussi, c'est pas mal. Donc voilà, là je sollicite encore mon healer de secteur. Et puis là, on sent que le gardien là, se fait de plus en plus... La barre du gardien, elle est de plus en plus élimée, érodée. Voilà. Attaque. Donc là, je sais pas, le gardien d'en face était en dessous. Donc je sais pas très bien quelles sont les conditions
pour que notre gardien soit au-dessus ou en dessous. C'est dans une étreinte sensuelle, voilà, que les deux bestiaux s'enlacent, on va dire. C'est beau l'amour entre ennemis, hein. Eh oui. En plus, ils sont même pas de la même espèce, les deux grands dadais. Il y a toute la troupe là. Apparemment ils veulent en finir, donc là, voilà. Tout le monde va se jeter sur le gardien et il en reste plus pour longtemps, je pense. Eh oui. Bon. Eh bien, comme ça va bientôt se terminer et que j'ai vraiment là plus rien à dire pour le coup, on a vraiment fait le tour du truc. Moi, je vous dis à un prochain let's play qui sera donc sur un jeu déjà sorti, donc avec une note et tout. Parce que je note pas les bêtas, tout ça, parce que c'est pas des jeux finis. Donc je laisse le bénéfice du doute au créateur du jeu. Voilà. Mais si à côté, quand éventuellement je refais un let's play sur une version définitive, là, si je vois que c'est toujours un peu la même chose, donc ça sera déjà un let's play plus court et une note plus salée. Et ouais. Donc, un petit avertissement donc pour Gigantique. Attention, c'est un petit peu léger le contenu. On espère voilà, qu'ils vont se reprendre et qu'ils vont donner un peu plus de peps à l'ensemble, un peu plus d'originalité. Là voilà, c'est terminé je pense pour mon gardien qui est en train de se faire écraser la gueule. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.